Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne OFR, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous allons tenter la revanche sur le Chronosaur maintenant qu'on a enfin la bonne combi. Je pense qu'on va pouvoir tenter, bon c'est pas foufou, mais au moins on a une chance. Comparé à tout à l'heure où vraiment c'était sans équivoque, où c'était sûr qu'on paumait. Là on a une chance, on va pouvoir aller un peu plus loin. Parce que putain, le fil rouge du Chronosaur, ça merlipopette quoi. C'est impressionnant comment le jeu, il est ultra complet. J'aurais préféré... Putain, en vrai, Ah, j'aurais dû regarder la boutique, ça se trouve, il y avait une capsule. Est-ce qu'il y avait une capsule pour le boss, là? Ça aurait probablement fait la diff. C'est bien, ça nous remet bien contre lui et tout. Allez. C'est sympa là sur le moveset quand même. Je trouve même très très sympa sur le moveset. Pourquoi il m'a pas fait ça tout à l'heure? Oh là là. Oh, oh le dernier coup de harpon. Le tout pile. Oh fucking let's go. C'est un cauchemar si l'un de ces monstres était la terre ferme. Dépêcher d'aller à la salle de contrôle et rétablir l'appareil. Oui, mais le loot! Dr. Bacon! Je suis en train de fabriquer un drone explorateur. Le drone peut couper les racines à l'aide d'un découpeur laser. Contrairement aux armes, cela prendra plus d'un jour. Fais ce que tu as à faire le temps que je finisse. Ah putain. En gros, juste attendre quoi. Une caisse jaune sur la droite. Lampe thyroïde. Lampe de
Chronosaurus. Nique sa race. Bah, la fameuse capsule d'oxygène que j'ai dit qu'il me fallait absolument. Pas de soucis, bro. Pas attaquable de face. Ça a pas l'air d'être attaquable tout court. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, ça a l'air bien chiant à péter ça. C'est vraiment la zone ici, hein. Wapitia Fildensis. Le drone est juste là pour te niquer une journée de jeu. Là. Créer de la vie de façon artificielle. Ah. C'est quoi cette vitesse de rotation, sérieux ? Oh ! Sa grosse race ! Ah, ce truc là, plus jamais je le tente quoi. Qu'est-ce que... Rien que le nom, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non. Je peux pas l'endormir. Thank you.
Falcatus. Falcatus. Sombre engeance. Une photo. Quatre créatures là quoi. Attends, il considère qu'elle est pas dans le cadre là, mais on la voit littéralement. Je peux pas. Parfait. Ah, puis ça brûle en plus cette merde. Merveilleux. Ça, j'ai perdu 60 d'oxygène. On adore ça. Oh! Attends, l'étoile, j'en ai besoin. De toute façon, pourquoi j'ai appuyé sur Pop-Main? Quel sombre fils de pute que je suis. Pourquoi j'ai fait ça? Pas de quête à vider, évidemment. Attends. Parce que de toute façon, faut attendre une journée le temps que les racines soient découpées. Je vais pouvoir ramener. Ah, est-ce que j'ai chopé au passage? Bombe collante. C'était le premier contrôlé. Arandaspis. Ne s'endort. Du coup, je vais devoir pêcher dans la nuit pour le vortex. Mais ouais, ah, c'est ça, j'ai réussi. Mais ouais, ça c'est très problématique. Aïe, là qui est très fâcheux. C'est vraiment un truc de dingue. Nouveau tâche. Attends, mais c'est aujourd'hui hein. Oui, ah, c'est bon. Là, c'est des œufs tous les matins à la ferme.
Attends, mais... Ah, il va avoir la coup de la chien. C'est juste qu'il y a du gros, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de types, en fait, c'est pour ça, c'est galère. Ah putain, 8 requins grande gueule. Ça, on va les envoyer en cuisine. Débloquer les zones glaciaires et tout, je pourrais mettre plein de choses. Il y a encore deux nouvelles zones à débloquer après celle-là. C'est fou quoi. Ouais, 2000 en vrai, c'est pas la ruine. Allez. C'est juste les ouvrir. Comme ça, les poissons qui sont dedans. Enfin, les poissons qui sont dedans. Les œufs de poisson, pardon, qui sont dedans, ils vont pouvoir se faire. Ah, c'est démentiel, mais au moins c'est en route ce temps de gestation, il est pas un film sur ce jeu, donc bon voilà quoi. Terme de pêche. Putain, donc, je passe. C'est quoi les féroces en vrai, c'est truc profondeur ça. Hein. 130-250, c'est mieux que je parte du village. Ça saoule de devoir revisiter des zones comme ça, mais en vrai... N'oublie jamais pour les quêtes, si tu fais pas... dans le bon ordre. Mais en plus, je connais pas... Je connais pas leur point de spawn. Autant poisson ogre, à force de chercher, bah... Tu finis par t'en rappeler, parce que tu galères à choper. Hein. Quand je tombais dessus. Faire toujours blinder une nouvelle zone, parce que même si tu te plantes, normalement tu finis par choper des trucs, alors que revisiter une ancienne zone... Alors déjà t'as la sensation de tourner en rond, deux t'as l'impression de pêcher les mêmes poissons que d'habitude, et les spots photos ça te passe sous le nez, récolter tout ce que tu peux, même si t'as un doute, ça te passe à côté aussi.
Il y a pas mal de points négatifs en fait de revisiter une zone que t'as déjà fait. Ah, les crabes. Ce serait que de la qualité, non? J'ai jamais su comment. Comment les pêcher d'une bonne façon. Putain, avec un fil. Non, ça marche pas du tout avec un fil. Bon, c'est bien. Ça m'ôte le doute. Maintenant. Il y a moins de 5 minutes. De toute façon, c'est 130-250 mètres. J'ai potentiellement la possibilité de rencontrer un. Donc je fouille. De l'huile d'olive. Donner envie de jouer à deux, se mettre de l'Olympe. Ah, c'est ici que je cherchais. Bon, Squall est féroce. Enfin, vraiment, il manque une minimap. Vraiment une minimap. Parce qu'en plus, c'est une zone qu'on connaît. À limite. Ne pas mettre la minimap sur une zone qu'on connaît pas. Genre why the fuck not. Vraiment. Je peux comprendre. Mais pourquoi pourquoi ne pas donner la possibilité d'avoir une minimap une fois que t'as déjà poncé la zone, que t'as avancé sur les quêtes principales et tout. Hein. Mystère. Oh, la pompe qui tranquillise. Okay. Complètement pété. Mais pourquoi je suis rentré dedans, je suis un débile. Bon, de mémoire, les sinophores rouges, il y avait une bonne recette avec. Oh, ça peut être démentiel, hein, monsieur. Parce qu'on a quand même pas mal évolué. Depuis. Et en plus, je crois que ça consommait du riz blanc, du coup. Bah voilà, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. J'aimerais avoir beaucoup de thunes pour améliorer la rizière, parce que la rizière a l'avantage de se planter toute seule, donc déjà c'est cool. Et surtout le riz, on l'utilise pour 8000 trucs, c'est probablement pour ça que les devs ils ont fait le choix de faire un auto-plantage. On va arriver à 105. C'est 130-250 le spoiler, on est à 140. Ouais, bon, ça pue. Putain, je vais même pas en choper un quoi.
ça c'est une mission que je vais trimballer 8000 ans, que je vais jamais faire. Voir si je la fais, c'est complètement involontaire de ma part. Je pense que c'est ce qui va arriver. Ça va être une lampe. Peut-être que le jeu doit reconnaître si t'as déjà une lampe ou pas. Putain, je suis dégoûté. On va aller chasser du gros. Et les méduses, je devais pas en chasser aussi. Si je dois en buter, c'est clairement pas seulement. Les merlins, les requins, les thons, ils sont... Tout ça, là, c'est où, là? Quand je les cherche pour me faire des thunes, là, ils sont où? Parfait pour m'enculer, systématiquement en plus. J'étais persuadé que ça s'appelait un espadon. Après, c'est peut-être que le marlin est une espèce de... d'espadon, hein. Certaines espèces ou sous-espèces.
semble bien que je l'ai jamais vu celui-là. C'est dingue comme le 0,50, c'est là où il manque le plus de choses. Le problème, parce qu'il y a tellement de petits poissons que du coup ils sont très très durs à repérer. Il y a différents types. Prochaines upgrades, mais il faut que je fasse le vortex cette nuit, du coup. Voilà. Ah. Il me rappelle le vortex. Ça. Ah ouais, bon, on va le faire. Faire trop le vortex. Putain. Oui, je veux bien, hein, ça fait 3 nuits que d'orage que j'essaie de le faire. Qui me passe sous le pif systématiquement, c'est frustrant. C'est que je sais pas ce que je cherche. Enfin, je sais ce que je cherche. Je sais pas où le chercher. Victoire. Toute ta famille. Qualité à chier. Ah mais non, ça reste à 2, c'est vrai, pour les prédateurs. Tu veux l'avoir, ce vortex, sérieux, toi? Thank you.
boss que j'aurais dû faire il y a une éternité. Comme ça fait deux fois qu'il me passe. Putain, il est là! Il est là. Ah, putain, il fait un boucan pas possible en plus! J'ai vraiment dû passer à côté, mais genre vraiment beaucoup parce que. Merde! Merde, il se voit, on l'entend en plus! Oui! Ah, combat de boss, putain, depuis le temps que j'attends! C'est la vengeance du Bernard l'ermite. Pourquoi il a des gants de boxe? Ah, c'est l'araignée l'araignée crevette. C'est crevette monte. Une écrevisse. Une perte de boxe. Crevette menthe, c'était tiré là. D'accord, les pics c'est pour moi, c'est pas pour le boss. Ouais. Alors là j'ai pas pigé. Ce serait bien de trouver quelque chose de solide pour bloquer ces coups. Mais y a pas d'objet, y'a rien là. Peut-être que je passe celui. Ouais. Il va falloir m'expliquer là. Si je passe celui, je prends des dégâts. Pire, genre. Définiment. Péter au plafond. Faut peut-être l'attirer à fond ici
Je vais me mettre en haut pour qu'il tabasse le plafond. S'il excelle de bien venir gentiment. D'accord, genre tout ça m'a touché. Peut-être le manipuler pour qu'il tabasse le plafond. Un certain nombre de fois. Qu'il fasse tomber quelque chose. Putain, c'est grave lancé, c'est pas normal. Il faut faire quoi contre lui? Première étape. Faut taper les yeux? Quoi? Mais à quel... Mais j'ai essayé de taper The fuck? Tellement devoir faire tomber quelque chose. Non mais d'accord. Il tape en haut, je suis en bas, je me fais toucher là. Putain, on peut le toucher comme ça. Très bien. Ce boss de merde. Une touche, c'était ça le... Qu'est-ce que c'est que ce boss de merde? Lui là.
mes 3 coups, j'ai le droit d'en mettre un en fait. Comment tu fais sans capsule? Jamais je l'aurais fait avancer mes upgrades. C'est pas plus mal que je les appelle lui. Il était infect. Tout va être mente. Horrible. Nique sa race. Masse de thunes, par contre j'ai enfin dépassé tous ces trucs de merde. Ouais, putain de terrasse. Je veux pas. Oui, c'est une carte boss crevettement. Je l'ai même pas vu à la salle de sport. Je veux dire à la salle de sport où je m'entraîne. Tu transfères cette carte, mais tu es en partie. Je l'ai. Chouchou. La coqueluche de tous les voisins. Fameuse visite VIP. Wang Pang. Il n'y a même pas besoin de dire de traduire, c'est déjà ce qu'elle dit. Chou va affronter un chef célèbre dans une nouvelle émission de télévision. Apportons lui les ingrédients qu'il a demandé. Couper les carottes? Quoi? Je connais même pas les touches. Qu'il allait avoir une couille. C'est trop beau qu'il spamme juste. Prépare l'uranoscope. Merci pour le QWERTY. C'est-à-dire que c'est imperfect, alors j'ai oublié de couper les moitiés du poisson.
faux, vous êtes sérieux? J'ai pas la dalle. Sale gueule sur la droite. Hein. Uranoscope aigre douce. J'ai perdu, je suis le meilleur chef de Hong Kong. Bien sûr, votre plat était excellent, bon pan. Vous avez utilisé les meilleurs ingrédients pour un goût irréprochable, mais c'était pas suffisant pour m'impressionner. Le plat de Bancho, ça m'a donné une toute nouvelle expérience avec un poisson appelé Uranoscope. Pour être honnête, c'était la première fois que je goûtais ce poisson. Bancho m'a offert un mélange parfait entre le goût intéressant et frais de l'Uranoscope et le goût classique de la sauce aigre douce. Si nous ne considérons pas le goût, le vôtre est meilleur, bon pan. Mais j'admire énormément la tentative de Bancho de présenter une saveur étrangère de manière familière. Verdict final est Bancho, félicitations. Passant a clairement expliqué la raison de sa décision, Bancho remporte le match. À ma pensée, je voulais présenter le... Merci Bancho. Champion préfère l'action au mot et nous aidons. Surpasser Wang Pang dans son domaine d'expertise. Un plat reste un plat, peu importe son origine ou sa nationalité. Si quelque chose a un bon goût dans un pays, cela aura aussi un bon goût dans un autre pays. Pourquoi j'ai l'impression que l'émission reviendra encore? Trouver une nouvelle inspiration pour la cuisine chinoise pendant la préparation de l'émission. Je vais noter, aide-moi à essayer quelque chose de nouveau quand tu auras du temps. Oui, de l'or. Oh là là. De nous balancer des trucs quoi. C'est bluffant. On va faire un service comme ça. Ça va pas nous rapporter des masses. De toute façon, il n'y a qu'une moitié de la nuit. Thank you.
gens ils ont pas vidé la crevette, ils ont pris un... Oh, c'est une blague, putain, ça a été gâché du coup. Oh, nique sa race. C'est tout? Oh putain. Oh, c'était de la merde. C'était de la giga chiasse. Ce sont du nouveau jeu que je joue. Guiao, jeu d'élevage de poissons numériques. Tu nourris, tu les grandis, c'est mieux, ça me rappelle quelque chose. C'est lié avec Marinka, lorsque tu obtiens des poissons du que tu peux débloquer Marinka. Poisson numérique qui vous tient compagnie sur votre téléphone portable. Nourrissez-le, rendez-le heureux. N'oubliez pas d'éteindre la lumière la nuit pour qu'il puisse bien dormir. Oh, ça a l'air bien... bien casse-couillon. Ça, je vais complètement oublier de le faire. C'est la fête aujourd'hui. Oh putain. Complètement oublié de faire ça, quoi. C'est dans Marinka ou c'est autre chose? Giao. On joue en mini-jeu. Ah putain, merde, c'est dans mini-jeu. D'accord. Très bien. Mais approchez, je pense pas, je vais pouvoir la bouffer au chaud. Au passage. Putain, il fait trop chaud, c'est horrible. Putain, il fait 34, quoi. C'est terrible. Ça coûtait quelque chose comme 6000, hein, l'oxygène à améliorer. Du coup, je peux améliorer la rizière. Ça faut vraiment que j'améliore. 3000. Vraiment là les monstres font beaucoup trop de dégâts. Donc améliorer l'air en fait c'est améliorer ton stock de points de vie dans le jeu. Donc, Oh let's go. Ok. Bon malheureusement ça va être la fin de cette session, je suis désolé, hein. Je pensais jouer au moins jusqu'à 20h. Mais en vrai, il fait trop chaud, je suis claqué. Et puis, de toute façon, dimanche, vu que ma sortie de l'après-midi a été annulée, bah on continuera demain. Du coup, voilà, j'essaie de garder du jus pour demain. Et puis, il fait très chaud. Puis, je pue. Je vais prendre ma douche, tout ça, tout ça. J'espère que cette session sur Devil Diver, VOD également, stream, vous aura plu, les amis. C'est la chaîne de fer. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis naturellement, ciao, à la prochaine!